Bonjour, aujourd'hui nous allons nous familiariser avec la technique du Do-In, automassage japonais, littéralement la voie de l'énergie. Cette technique permet une meilleure circulation de l'énergie dans le corps le long des méridiens. Pratiquée régulièrement, elle vous apportera bien-être et harmonie et vous permettra de conserver une bonne santé. Alors, pour pratiquer le Do-In, je vous conseille de vous mettre en position Seiza, assis sur vos talons. Si vous n'êtes pas confortable dans cette position, vous pouvez trouver une autre position en assise au sol. Tout d'abord, vous joignez vos mains et vous frottez vigoureusement. D'abord au-dessus de la tête, puis au niveau du visage, et enfin au niveau du hara, de manière à bien chauffer les mains et amener l'énergie au niveau des mains. Puis, on va bien savonner ses mains, frotter les bords externes, petit doigt, interne entre pouce et index. Puis à nouveau, on va frotter au niveau des poignets, bien chauffer les articulations des poignets. Puis nous travaillerons chaque doigt. À partir du pouce, on mobilise, on tire bouchonne et on pince. Chaque extrémité d'un doigt correspond au départ ou à l'arrivée d'un méridien. On fait les 5 doigts d'une main, puis on continue avec l'autre main. Pendant toute cette pratique, essayez de respirer naturellement et de vous concentrer sur ce que vous faites. Une fois les mains terminées, on secoue un petit peu les mains et on passe au visage. Le geste fraîcheur pour bien réveiller. Puis placez vos doigts sur la ligne médiane du front et vous étirez vers la racine des cheveux. Vous faites environ 3 fois. Et même chose au niveau du menton pour remonter vers les oreilles. De chaque côté du nez, les arêtes du nez, on frotte vigoureusement. Et on part en contournant les pommettes. Maintenant, de chaque côté des oreilles, on frotte vigoureusement devant et derrière. Puis on va étirer le pavillon et le lobe des oreilles. L'index ici à la base des sourcils. Vous faites des petites mobilisations. Puis vous étirez les sourcils en repliant ensuite l'index. Et ensuite, vous pincez avec pouce et index. Vous pincez les sourcils en allant même un petit peu plus loin jusqu'à la racine des cheveux. Puis, des petites percussions sur tout votre visage. Puis sur le cuir chevelu un petit peu plus fort. Quelques petits massages crâniens avec le bout des doigts sur différentes zones. Ensuite, lissage du cou avec les mains bien ouvertes. Travail au niveau de la nuque. Vous glissez votre main et vous tournez la tête vers vos doigts. Vous le faites 3 fois de chaque côté. Toujours en pensant à bien respirer. Avec la main, on empoigne ici la zone des trapèzes. Et on étire, on ramène vers l'avant. Faites toujours les deux côtés. Puis petite percussion au niveau de la poitrine, les pectoraux. Stimulation de toute cette zone. Puis on va travailler au niveau du bras. On commence le bras gauche et on va faire des petits tapotements à l'intérieur du bras. On appelle la face Yin. On retourne le bras et on fait des percussions à l'extérieur du bras en allant bien jusqu'à l'épaule et l'omoplate. La face Yang du bras. Puis lissage dans le sens de l'énergie. On descend à l'intérieur, on remonte à l'extérieur. Faites-le au moins 3 fois. Et on fait la même chose de l'autre côté.
Petite percussion sur l'intérieur du bras. Même chose, extérieur du bras, en allant bien jusqu'à l'épaule et l'omoplate. Puis lissage du bras. On descend sur la fascine, on remonte sur la fascingue. Trois fois enchaîné. On va travailler au niveau des flancs. Bien étiré, du haut vers le bas, les deux côtés. Puis on va travailler sur le bas du dos. On frotte le bas du dos. Petit cercle avec cette partie de la main. On chauffe bien toute la région du rein des glandes surrénales. Puis on place les deux mains au niveau du ventre et massage du ventre. Les deux mains l'une sur l'autre, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis on enchaîne avec un travail au niveau du jambe, des jambes. Vous commencez avec la jambe gauche. Et on va tapoter sur toute la face interne de la jambe. Et même chose sur la face externe. On va lisser dans le sens de l'énergie. On remonte sur la fascine. On redescend sur la fascine. Faites-le au moins trois fois. On reste au niveau du pied. Et là, petit massage des pieds. On va frotter bord interne, bord externe. On va frotter sous le pied. Bien faire bouger toutes les petites articulations, tous les petits os du pied. Et ensuite, travailler chaque orteil. D'abord le gros orteil. On libère, puis pareil, on tire bouchonne et on pince. Deuxième orteil. Troisième, quatrième et cinquième. Comme les doigts de la main, les orteils sont le début ou la fin des méridiens. Puis on va faire la même chose sur la jambe droite. On tapote sur l'intérieur de la jambe. Puis sur l'extérieur et on lisse dans le sens de l'énergie intérieure, extérieure, en allant bien envelopper le pied. Faites-le trois fois. Puis on manipule le pied, on frotte. Tranchant interne externe, on rabote sous la plante de pied, on fait bien bouger tous les petits os du pied et à nouveau travail sur les orteils, mobilisation et étirement et pincement à la fin. Vous faites bien les cinq orteils l'un après l'autre. Et pour finir, nous allons faire la toilette énergétique qui est en fait un condensé de tout ce que nous venons de faire. Donc si vous n'avez pas le temps de faire la pratique en détail, vous pouvez uniquement faire cette pratique complète qui va travailler sur tout le corps. Alors la toilette énergétique est donc un condensé de tout ce que nous venons de voir en détail. Vous partez au sol, les mains sous les pieds et vous lissez tout l'intérieur des jambes, puis l'intérieur du buste. Vous glissez à l'intérieur de votre bras gauche, puis l'extérieur en enveloppant bien l'épaule, l'omoplate. Traverse au niveau de la poitrine et on recommence. Intérieur du bras droit, extérieur. On rejoint les deux mains au niveau du visage. On fait le geste fraîcheur. Puis les deux mains glissent tout en arrière du dos, arrière des jambes, jusqu'aux pieds et on recommence.
intérieur des jambes, intérieur du bras gauche, extérieur, même chose à droite. Les deux mains sur le visage, on passe derrière la tête, on vient bien contourner les épaules et on glisse tout le long du dos, arrière des jambes, côté des pieds et on reprend. Une fois que vous aurez bien compris la technique, vous pourrez l'accélérer un petit peu si vous voulez. Pensez toujours à bien respirer. Dernière fois. Voilà, la série des Do-In est terminée. Si vous le souhaitez et pour aller un peu plus loin, je vous propose ensuite une nouvelle vidéo sur les points d'acupuncture qui soignent. Le lien sera en description de la vidéo.